Alors, Roberto Rizzi est architecte, professeur de Interior Architecture and Exhibition Design au Polytechnico de Milan. Il était conservateur scientifique. Alors, conservateur scientifique de la Galleria del Design et de l'Arredamento a Cantù, responsable des archives de Albe et Lika Steiner, responsable du laboratoire des maquettes d'architecture du département d'Astou du Polytechnico de Milan. Alors, ses publications portent sur des figures majeures de l'architecture italienne du XXe siècle, donc Vittoriano Vigano, Descartes et la théorie de l'espace primaire, et aussi sur un artiste génial qui est Bruno Munari, et en général sur l'interior and exhibition design. Marta Verna, architecte diplômée du Polytechnico de Milan, elle a passé son doctorat Interior Architecture and Exhibition Design. Elle est enseignante associée au département d'Astudio Polytechnico et ses recherches portent sur l'habitat domestique dans des contextes de marginalité et sur la sauvegarde et réutilisation du patrimoine monumental et diffus. Alors, le titre de l'intervention est On y voit rien, description. Vittoriano Vigano et son appartement in via Crivelli à Milan 1956-58. Alors je vous laisse la parole, passo la parole et grazie. Grazie a voi, grazie. Buongiorno, good morning. We would like to tell you an interesting understanding to the genesis of things, the process through which they are defined as they appear to us, and through this process to understand their meaning and how a way of being in the world is shown on the thing we are looking at becomes a living person as we are. This is true for the works of all arts that, with their material means, make present in their dynamics of internal coherence a specific content, which is in all art the same nature. It concerns the intuitive and emotional knowledge of something concerning us and that achieves the purpose of moving us. A real physiognomy that isn't hiding anything beyond the appearance of physical traits, as it can happen for the nature of people beyond their appearance, and not even in arbitrary and conventional juxtaposition between physical vehicle and cognitive context, between signifier and meaning, as it happens in linguistics between the sound of word or its spelling and its meaning, but a link of direct derivation between how the work is and what is says. It is valid also for architecture beyond this functional and utilitarian character, for the specific disciplinary angle from which we observe it. It is born to host the gesture with which we relate to things and world, and is defined in the terms of practicable space, qualified by light, density, temperature, margins, physical limiting circumscribing, and relating it to other spaces and equipment, furniture and service terminals in a direct relationship with the body of those who dwell it. Three variables that the architecture of interior approach specify and reinforced with particular attention to constructive material and figurative details, seen as the principle of truth of form and its ultimate check. We want to face the work of art by letting it directly to our senses and question it as it reveals itself in a comparison between peers. It is a slightly different attitude from the one of usual historical analysis, facing the discussion of a work by placing it in a social, economic, cultural context, or in the work of its designer, or in the comparison with similar works, or even in the reading of the project documents
in the comparison with the thought and writings of the author. These considerations are certainly not avoidable, but a purely aesthetic interpretation oriented on the concreteness of the work to arrive at a possible interpretation of its deep meaning and of a way in which it is embodied in forms and materials. The title of the paper, in the title of this paper, we quote on a Voirion, an highlighting text from this aim, also applied to another form of art. Here, Daniel Arras shows how the reading of well-known painting in the history of art and their verbalization can contest consolidated interpretation and allow the works to speak for what is it. A step toward this result in the description, the translation into verbal literary forms of a cognitive experience that is instead of a multisensorial nature. For architecture, moreover, the accessible volumes of the built space became drawings and models in increasing scales up to the one of prototypes. The process can be carried out in opposite and complementary direction for the design of a new or the reading of the existing. In the second case, the reading of architecture passes through in its observation. The survey of geometrical and material features allows the transcription with the tools of the drawing and the understanding of logical and meaning. The different tools allow us to highlight different aspects through the abstraction of drawing, the great realism of scale models, highlighting a feature or representation by analogy materials and finishing up to the almost total one of prototypes. This process can be carried not only for existing or visible works, but also for those that are no longer are, or but also to those that are no longer or have never been visible. The fragment of a room in a drawing by Giacomo Balla for a project for a futuristic environment never existed in the concrete of built architecture. Themes of futurism dynamism are here interpreted not only by the drawing of carved and broken lines superimposed with different chromatic fields deriving from them, but also by the furniture originating from them and interpreting the space of the room with a geometrical order able to dialogue with the Cartesian order for the walls. An extended reproduction with captions, lamps, light under the top, and a comparison with other Balla works allowed us to interpret the arrows of the first drawing not as a part of a decoration, but as a light fixtures and sources on the wall or integrated into the furniture. The same attempt has also been experimented for Orten paintings, including the Annunciation of Previtali. Here, the reversal of perspective allows to restore the quality of the space, of its decoration, and of its equipment in possible design drawing and a scale model. An alike reasoning is usable for different scale of tape and type of object. A sketch and a small model, thanks to a careful work by reinterpretation, also by analogy with contemporary realization, of executive drawing and of a constructive fine-tuning in the workshop, allowed the realization of a prototype of a never-realized cabinet designed by Giao Ponti. It's any longer existing the living room for a villa that Frank Olbini created for the 70th Triennale in Milano, a visionary interpretation of a relationship with nature filtered by rationalists and of layout and construction. Setup reconstruction can count also on executive drawing of space and furnishing,
as well as the picture of the realization. However, it is the scale model that makes it possible to verify the coherence of the sources and to restore a three-dimensional use of the space, retracing and understanding at the same time the construction process with the same components. It is still existing, the house that Vittoriano Viganò built for himself between 1957 and 1958 in an unfinished apartment in a building in the center of Milan. Although modified by the same author in the 90s and inhabited continuously by a changing family unit, the apartment keeps the features defined in the 50s. Designed around the central entrance, a privatized elevator, the apartment is developed through compression and expansions on two fundamental penetration axes, crossing its entire length, balanced by the spatial continuity of the large transverse living space and by the visual continuities on the line of the ceiling of lowered volumes and glass panels completing them. The perception, the unveiling of these interiors, occurs from moments and subsequent discoveries. Transparencies and screens suggest what only the movement in the space allows you to experience. Turning around the chimney suspended volume, penetrating corridors and narrow passages, discovering recurrent logics. The house, which seems to me so dirty and hypothetical, so 17th century and made by light and dark, so rough and excited by red and black, so offered and portrayed, so immersed in things and time, finds its most surprising identity in the matter color of which it's made, the glossy black of linoleum floors and metal elements, the smooth of plaster walls, white, black, and red lid, the uneven warm of rough plaster, the vibrato of whites and reds that modulate the natural light. Well known to architectural culture and at the same time secret, dedicated to family life, private, this house is told by publications in magazines and books and remembered in archives. The publications follow its history and changes, documenting following phases, during and after its construction, 20 years later, and with the redesign of the 90s, the only substantial one which made the maid room a new kitchen. The archives of the designer, the one is in the archive of Moderno in the Mendrisio, the one for the drawings. A second one, the one of Vittoriano Viganò in Milan for the pictures, document the design and construction phase, while those of the photographers at UAV for Giorgio Casali and in Milano for Aldo Ballo trace its history. In the recurrency of shoots, small variations are traversed, invariants are highlighted, and the way of reading the space emerges, certainly suggested by the architect himself. The examination of the drawings shows how the design was modified to arrive to the realized one, told in publications with plans and sections with very thick and continuous straight to define unsurmountable objects, high wall and lowered volumes, completed by traits as sharp but thinner, for in the few places, the author bedroom and the service rooms, furniture, meant as a sort of unavoidable technical equipment. The construction drawings, never published, although detailed and experimental, tell a composition of recognizable parts, autonomous in their identity, such as the doors collected in metal boxes to cross partitions and distribute rooms. Schemes and perspective views are often imagined ex post to bring out a point of view on realization, to make it decryptable and understandable. The game of volumes in a continuous space and reuse and the invariance that hold the design, the alignment knots, junctions, behaviors traced in 1992 for an exhibition and the subsequent publication of Acom Architettura, A as Architecture.
The report of the project, Fundamental Trace for All the Text Describing This Work, is thought in the same way. Finally, or rather at the beginning, this work materializes and clarifies itself in the relationship with other works and moments of art. In the one with the works of Vico Viganò, painter and father of the author, and with the collection of 17th century paintings that enriched the family home, reflected in the extreme plainness with which Vittoriano puts in an absolutely contemporary apartment ancient pieces. In this way, materials and forms of the apartment call the world of contemporary art. The post-war tensions translated in raw material torn apart by Bury, pieces of jute, glossy enamels, gilded paints, or surfaces cracked in their surface, and in the mixed sand cements of the reliefs of Milani's plates, or in the reasonings on figure and background of Munari's series. The direct survey of the apartment as it was in 2012, in its sizes, materials and colors, allowed us to reconstruct three groups of drawing. The first is not furnished, with indication of fields of material, color. The second, a line drawing, is furnished, and the last gather all the informations. The two opposite plans of the floor and ceiling highlight the shift of the margins that intensifies the effects of spatial expansion. The representation of colors and textures evokes the harmonious richness of coexistence between so different and characterized materials. A double drawing, both overall and in detail, that tries to overcome the shyness toward a known thing, mythical in a certain cultural context, passing beyond the we don't see anything because we already know everything, with such a careful observation that allows us you to highlight in detail new points of view and possibilities of interpretation of architecture. A first example concerns the material character of space. Emerging from the blacks of their background, spaces are determined by juxtaposed variation of compressions and expansions, density and rarefaction, shadows and light. A space that determines and grows from within, in a double interpretation of elements, the volumes resting on the ground of the service blocks, and that hanging from the ceiling of the fireplaces, place. Spaces of different heights, originated from the floor from which they rise, or linked to the ceiling and its fill from which they descend. As in the negative positive by Bruno Munari, this is not a simple game of stalactites and stalagmites, but a double juxtaposition of two figures, the building volume and the spatial ones, with specific figurative identity and body and material consistency. Maintaining the structure of volumes, the house can and has often been modified, changing the position and the composition of modular furnishing and that of the works of art, movable along metal rails on the edges of lowered blocks and walls of living area. Yet, some element remains still, indicating the preferred direction and the way of seeing, reaffirmed, second theme of deepening, with a principle of multiplication of views along one direction. Among these, the painting with an angel, bringing the gaze from the living room through the narrow passage on the side of the walk-in closet towards the master bedroom, designed by Viganò as an expansion of living room. The movement, however, becomes multiple, reflected by a high mirror next to the elevator door. A Madonna with the child behind the viewer finds itself placed side by side to the angel and to the viewer on the sofa. As in Velázquez's Las Meninas, the mirror shows a part of the scene that would otherwise be hidden and completes its meaning. As in Don Quixote, the points of view and the roles, here observer and observed, work and inhabitant, multiply and mutually exchange and deny.
an orthogonal project in which tensions between functional nodes find their form in Cartesian coordinates. Here, a third reading theme is highlighted, the edges flanking the passage between the lower block of the kitchen and the living room, first stage of the circular path of discovery of the living area, are cut diagonally. I use precaution, reducing the possibility of nicking them, and at the same time, a suggestion to divert, to overcome margins similar to the one of fields of color, whose boundaries exceed those of the walls, or between walls and ceiling, or in skirtings and corner pillars, making the flat line of the border three-dimensional. As Viganò himself wrote in his report for another Milanese house, so it would seem that the condition of being created to reveal, from a designed order, a logical system of stimuli for a qualitative leap, for a renewal of attitudes, in short, for a reliving of space in an authentic and cultural sense. The last of the many other possibilities, possible themes is the role of the boundaries between different places that acquire depth to the point of becoming almost a room, a place that in turn is autonomous and linked, modifying meaning and perception of the space of which it is an anticipation. The windows, open on the balcony surrounding the house on three sides, become a point in the construction of places of passage, unpredictably screened by a bookcase, as in a living room, or divided by the ceiling of the lowered blocks, illuminating also their upper part, or finally reaffirmed by the colored Venetian blinds, always different in size from those of the screened window. The space between the light and the color plane widens to almost accommodate one person, making the light reverberate, coloring and modulating it before giving it to the adjacent interior space. They allow a variability, a vibration of the space, which makes room for life and the unpredictability of its form. None of the people involved in this research is an historian for education. Despite the rigor of the approach, the gaze is that of those who allow themselves to be moved by what they see. But the simple aesthetic user is flanked by the designer, who, by understanding what exists successfully, knows he can derive reason for what he has to do by designing, to make the cognitive function of the work the nourishment of a planning action. At the base of this work, there is an aspiration to train comprehension for design and teaching of how things that do not yet exist must be to be able to make what we design a significant fragment of the world. Thank you very much. Pour cette présentation, c'est un magnifique intérieur, c'est une analyse magnifique, vraiment très très détaillée et menée finalement avec les instruments de l'architecte. Donc vous avez fait un relevé et vous avez vraiment regardé de très très près tous les détails. Alors, j'ai une première question qui est vraiment toute bête. Je vais traduire. Vraiment toute bête. Alors, vous avez fait le relevé de l'appartement. Et est-ce que vous avez trouvé des incongruences avec les plans qui ont été publiés? Parce que normalement, j'ai vu ça pour la maison de Portese et de André Bloch. En effet, le plan n'est pas, n'est pas tout à fait... Bon, disons... corrigé, a été modifié pour la publication. In genere, diciamo che le piante sono per la pubblicazione sono corrette, no? Nascondono. Ecco, volevo sapere se invece avete rilevato questo, se per la pubblicazione quindi i disegni sono stati modificati e quindi avete trovato le incongruenze invece con il vostro rilievo. Direi di no. No,
peccato sono delle incompletezze, perché per esempio non c'è mai un disegno in cui ci sono tutti gli arredi nella casa di Viganò. Sono disegnati spesso soltanto i muri, sì. I margini di circoscrizione, ma non c'è mai dentro l'arredo. Questo ha comportato delle verifiche sull'uso dello spazio che erano piuttosto inaspettate, sulle dimensioni, sugli spazi d'uso, di movimento e sulla localizzazione degli arredi, che non erano mai stati disegnati direttamente nelle piante. Mentre invece c'era un'attenzione incredibile sulla posizione dei tappeti, che sono uno strumento di guida e di organizzazione dello spazio straordinario, come si vede in un disegno che adesso magari riusciamo a farvi rivedere. L'importanza della policromia. Nero, rosso e grigio. Nello studio. Nei tappeti ci sono 20 varianti, cioè c'è uno studio veramente. Donc, alors, ils n'ont pas trouvé des différences entre, en fait, les plans qui ont été publiés, les plans qu'ils ont trouvés dans les archives et le relevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans les plans publiés, il n'y a jamais la position, ou dans les plans dessinés, il n'y a pas, jamais la position des meubles. Donc, l'aménagement intérieur n'est pas présent, n'est pas désigné, alors qu'ils ont été très, très attentifs à indiquer, lui, Viganò, à indiquer la position exacte des tapis, qui sont évidemment des taches de couleur. Ils ont trouvé une dizaine, on a des chines, hein, de versions différentes donc de cet espace aménagé différemment, avec différentes donc, taches de couleur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez... vous avez des questions à poser, des curiosités? Non. Je suis assez frappé par justement le mobilier qui n'est pas dessiné, mais qui évoque beaucoup aussi celui de la maison de blocs. Oui, parce qu'en effet, là, dans le cas de Portese, ce n'est pas lui qui a en effet dessiné, mais ce sont des meubles qui ont été... Non, c'est pas Mangiarotti. Oui, donc des meubles qui étaient produits par une industrie et qui a été dessiné par un architecte milanais qui s'appelle Angelo Mangiarotti. Et là aussi... By Vittoriano Viganò himself. The idea it is modular. It is based on three different heights of legs and a couple of horizontal elements from which they can build the table, the sofa here in the corner, and the bed in the master bedroom. They can be changed. The idea is the one of flexibility. So in my mind, he never designed the precise position because it can change. And this, if you pass through the following images during the year, they did change depending. They were red, then they become gray, they moved lowered or made higher. So I think this is the reason why, to give the possibility to interpret such a strong space in different ways depending of on the quality of life here. Dans le cas si non, ma Portese, penso che lui intende, tu veux dire à Portese, dans la maison, oui, oui, si non li ha disegnati ma li ha scelti. Si. Et autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation, c'est le fait que vous avez très bien mis en évidence la manière dont Viganò s'est vraiment approprié les dispositifs que les artistes ont utilisés, ont employés. Et je pense que c'est vraiment exemplaire, votre analyse. Donc, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je connaissais très bien votre travail. J'avais très bien étudié et lu. Ah oui, Anna. Bien dans les photos de
donc tu parles de l'analyse qu'ils ont fait, voilà. C'est ça. Donc lei dice che si vede molto bene nelle prospettive, nelle fotografie storiche, questi dispositivi che Vigano ha usato, però nei piani, cioè nelle piante, nei disegni che voi avete, di interpretazione che avete fatto, si sente, questo emerge un poco in meno, un poco meno, ecco. Quindi voleva sapere. Forse è una combinata tra piante e Oui, j'avais pensé. En fait, ils ont pensé à une lecture croisée entre les deux, entre les perspectives qui ont été disons, photographiées par les meilleurs photographes, Ballo, j'ai vu passer des noms importants, et les plans qui en fait complètent le discours sur, sur cette richesse de l'espace intérieur. Si. Donc c'était en fait un discours qui complète ce qu'on pouvait déjà apprécier dans les publications. Peut-être juste une remarque pour rebondir, c'est que je trouve que cet exposé, et puis l'œuvre elle-même, la manière dont vous la montrez, c'est-à-dire à travers des représentations que sont à la fois des plans qui sont quand même très forts, complètement pensés en aplats, avec cette espèce de projection dans le plan, j'ai un peu pensé à l'image que tu montrais tout à l'heure sur la tour de la maison, puis après des images qui sont des images de photographes avec des points de vue hyper cadrés, hyper pensés, et le tout comparé effectivement à des vues perspectives, c'est-à-dire avec des points de vue uniques. Je pense au minime, effectivement. Il y a, je trouve, ce qui est très intéressant ici, c'est la question de la représentation intérieure, c'est-à-dire que finalement, on a presque l'impression que l'ensemble de l'appartement est pensé pour être vu de cette manière-là, et peut-être plus vu que vécu. Mais c'est l'impression qu'on en a, en regardant la démonstration, quelque chose qui est hyper visuel, et j'allais dire, parce qu'on parlera de multimodalité de la perception, avec les neurosciences ou d'autres intervenants, mais si on est dans une dimension très visuelle, c'est ce qui me frappe dans cet exposé, la maison effectivement est très belle, et les points de vue sont sublimes. Cioè, che in effetti c'è questi due discorsi che si incrociano, quindi questi piani che voi, queste piante che voi avete fatto sono comunque molto forti perché sono molto colorati, e poi le prospettive che si possono invece apprezzare attraverso le fotografie fanno emergere uno spazio che in effetti è più uno spazio che non tanto da vivere quanto da guardare, da leggere, da apprezzare attraverso appunto questi piante prospettive, quindi questi documenti grafici. Ecco. Adesso forse questo disegnino di quattro parole. Tre parole si riferiscono alle caratteristiche dello spazio, allineamenti, nodi, svincoli. La quarta parola che si indovigano, che è comportamenti, lui la riferisce allo spazio, ma in realtà è un moto dell'azione della persona, no? Quindi Vigano ha l'esatta intenzione di attribuire allo spazio una caratteristica umana di persona che ha delle sue capacità di relazionarsi con le persone esattamente al suo pari, cioè quello spazio ha dei comportamenti, ha delle azioni, ha una personalità che si esprime con un carattere che è uguale, identica a quella delle persone che la abitano, e lì c'è il momento di coesistenza di due esseri, l'opera in cui si vive. Donc ils ont montré là un croquis, non, de un chemin de la maison, et là Vigano il a marqué en bas alignement, ensuite c'est ensuite c'est svincoli, je sais pas comment ça se dit. Ok, voilà, ce sont trois. Intersection, oui, pas vraiment intersection, svincoli, mais bon, mais qui sont des qualités de l'espace. Et ensuite, le quatrième, c'est comportement. Donc, pour lui, la maison, ça doit être évidemment, d'ailleurs, c'était sa maison, être dessiné, pensé sur les comportements des habitants. Et donc ça, c'est une dimension qui pour lui était importante quand même.
Ok, alors merci beaucoup. Alors on enchaîne avec le deuxième intervenant, Roberto Zancan. Alors Roberto, tu es professeur d'histoire et théorie au département d'architecture d'intérieur de l'EAD. On dit c'est Aide de Genève. Tu as enseigné à l'Université UQAM de Montréal et tu étais chercheur évidemment associé au Centre canadien d'architecture de la même ville. Alors, coordinateur de recherche à la chaire UNESCO en conservation et régénération du patrimoine urbain de l'Université UAV à Venise. Responsable du programme Inside the Academy pour Be Open Foundation, vice-directeur, et ça c'est très important pour nous, du magazine Domus, et fondateur du groupe d'intervention environnementale Ground Action. Tu as mené entre autres une recherche sur les espaces de terrorisme en Italie, c'est ça, présenté à la section Monitalia Biennale d'architecture de Venise en 2014, et surtout tu as écrit sur spatialisme italiani et correspondance, théorie et storia dans Landscapes, deux ouvrages très intéressants. Alors, je te remercie, je te passe la parole. On est sans images. Oh, et tu as, wow. On a aussi des images. C'est très bien. Tout est noir encore. Ah, oh là. Je ne sais pas comment il a mis plein écran, par contre. Tu peux m'aider, peut-être. Ça arrive? Oh, ok. Voilà. Oui, après j'avance. Alors, bonjour. Il faut dire qu'en suivant l'expression de Benjamin, comment dire en français, il faudrait bien Benjamin, comme j'ai entendu tout hier, hein, c'était super drôle. Alors, j'étais à la Biennale d'architecture d'Orléans. Et quand dit, je voudrais utiliser l'expression de Benjamin pour me présenter, je me sens vraiment dans un trousse aujourd'hui. Alors, vous savez qu'il disait utiliser cette expression pour exprimer l'intérieur, la position de l'individu du 19e siècle par rapport à l'intérieur. Hein? C'est autour de l'intérieur qu'on se sent confortable et qu'on contrapose un univers personnel, individuel, familial, à une société écrasante qui a bien décrit, quelqu'un qui a cité Mechanization of the Commons, you know, de Guédion. Je dis ça parce que j'étudiais dans cette salle. Je fais un master en paysage, mais je ne vais pas être trop biographique. Mais pour dire que tout l'introduction, pour exemple, qu'a fait Ima, ça me trouve pas nécessairement intervention, c'est exactement ce que je pense. Je fais une thèse sur le spatialisme, qui est un peu le titre, et publié un livre qui s'appelle Les spatialismes italiens, exactement dans cette perspective de mettre ensemble les regards, l'interprétation de l'architecture menée par Zevi comme programme pour l'Italie de la reconstruction, avec un courant artistique du lequel j'irai un peu à parler aujourd'hui. Et encore, je ne vois pas le deux qui vient de parler, vous êtes là, commencez avec Arras, je ne peux pas imaginer rien de mieux. Super titre. Mais en même temps, je veux un peu être the bull in a Chinese store, non? L'éléphant dans boutique de cristal, hein? Un peu, je ne sais pas comment dire en français. Les maisons de porcelaine. Ouais, c'est la porcelaine. Et un peu casser cette confort, hein? En essayant de parler plutôt de ce qu'on voit. Et de faire une réflexion autour. Je voudrais enlever la. Oh, merci. Faire une réflexion surtout sur comment on travaille sur des sujets et un peu la dérive de tout ça. Alors, si vous voulez, un peu la question, c'est comment étudier et pourquoi. Très banal. Je me souviens pendant mes cours ici,
C'était un cours d'histoire et conservation du paysage historique, super intéressant, mais parfois je m'emmerdais, je me souviens d'avoir lu à fond pour la première fois théorie et histoire de l'architecture de Tafuri, comme c'était un peu vraiment critique face à tout ce que je faisais. Et là, je me sens un peu dans cette position. Donc, l'intervention que je vais faire aujourd'hui, c'est autour d'un appartement d'une famille qui s'appelle la famille Fontana, c'est-à-dire que personne d'entre eux est encore vivant. Et j'utilise ça comme un itinéraire. Je n'aime pas beaucoup encore revenir sur des questions personnelles, mais je veux compter pourquoi je parle de ça et c'est les raisons conséquentes aussi de ce que je vais dire plus tard. Je suis depuis quelques temps en train de travailler sur, j'espère, quelque chose qui deviendra, je ne sais pas si c'est un livre ou quelque chose d'autre. C'est la première étape des présentations publiques. Il y en aura une seconde dans laquelle je vais faire un expo, un petit expo dans notre école magnifique qui est Saint-Lucas à Bruxelles, où le centre, c'est l'architecture d'intérieur, encore une fois. L'idée, c'est de travailler autour des maisons des Italiennes. Pas de tous les Italiens, mais d'une série de personnages influents culturellement, ou qui au moins ont essayé de différents points de vue de construire une image positive de notre pays. Entre autres, aujourd'hui, c'est Lucio Fontana, un autre personnage très fameux que probablement tout le monde connaît, c'est Pier Paolo Pasolini, qui n'était pas du tout un architecte. Un autre qui n'est pas du tout italien, mais qui était un grand architecte américain, mais qui est mort après avoir bâti sa maison, être fui en Italie, qui est Craig Gailwood. Et il y en a d'autres. Par exemple, il y a aussi Ronconi, le fameux metteur en scène de théâtre. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que ce sont toutes des images des maisons, una casa come me, no? On dirait, si vous voulez l'expression de Malaparte, no? Pour sa maison. Hmm? Où on a affaire avec quelqu'un qui montre pour moi tout ce qui est la différence entre exactement ce que vous venez de dire. L'effet d'avoir présenté l'architecture comme quelque chose à faire voir. L'intention, c'était très, très différente. C'était, on montre l'architecture dans les photos de Casali, pour exemple, c'était les derniers qui montraient mes collègues de l'appartement de Vittoriano Vigano, pour les faire copier, pour les faire faire de la part des autres. Mais en effet, on vit de façon différente. Et là, il y a un gap, une différence qui nous regarde énormément. Il nous regarde énormément pour le fait qu'il y a une distance sur la capacité d'influir. Il y a une sorte de, comment dire, contradiction. On dit qu'on doit vivre d'une certaine façon et après on le fait d'autres. Et il y a aussi, comment dire, toute une différence entre ce que nous sommes et ce que nous présentons, la façon que nous avons de présenter nous-mêmes. Ça revient encore un peu à la question de Benjamin, hein, c'est-à-dire pourquoi on se protège et si cette demain qui est celle-là de l'architecture d'intérieur ou de l'intérieur, de la mise en scène, de la scénographie, c'est moins compliqué à traduire en français qui est allestimento, hein? On ne sait jamais. Oui, je ne sais pas, j'ai essayé plusieurs fois de le traduire, il y en a plusieurs, mais pour nous, allestimento, on le disait bien, je pense, quand tu as parlé de spazieggiare, aussi d'argan, c'était vraiment une conception urbanistique, par exemple, d'urbanisme même. C'était aucune différence pour un certain des réflexions italiennes. Et bien évidemment, est plus appliqué dans l'intérieur, c'était plus facile à dominer. Mais ça regardait, par exemple, beaucoup de l'art, quand on voit, par exemple, l'intervention des Bourri à l'extérieur, je pense le théâtre qui vient de refaire au Parco Sempione, c'est tout à fait, on voit cette connexion entre extérieur et intérieur comme façon d'entendre les mêmes approches. Alors, je vais vite.
Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qui est la sonnerie aujourd'hui du bâtiment où habitait la famille Fontana, où ils vont habiter en 1951, quand ils vont se marier. Hein. C'est un couple d'un artiste argentin-italien, serait mieux dire, qui est un émigré de famille italienne, grandi à Rosario, la même ville de Messi, hein, juste pour venir à nos jours, et qu'ils sentent un grand, pas de nostalgie d'Italie, mais qui sentent de vivre dans un pays périphérique, donc ils décident d'aller à Milan aux années 20, et ils entrent à fonder tous les courants de là, les plus importants de l'époque. En particulier, il y a dans Lucio Fontana une idée de continuer de façon radicale les principes du futurisme. N'est pas l'appelant comme ça, mais c'est comment on peut transformer vraiment les projets futurisme dans quelque chose de réel. Pour parler de ce que je veux continuer à traiter aujourd'hui, je pense que je vais aussi faire un discours un peu méta. Qui regarde plutôt la recherche. Alors, là, je peux bien m'appuyer sur l'intervention précédente. Je vais vous montrer trois images qui viennent de l'exposition de la Biennale d'architecture d'Orléans, que j'ai vue hier, et qui, pour moi, montrent bien comment l'impossibilité des dérives à travers la recherche. Comme la recherche, ce n'est pas seulement reconstruire, et un peu cette position défensive dans la trousse qu'on a dans cette nouvelle discipline de l'histoire de l'architecture d'intérieur. Je pense que ça va être positif et pas un lieu de rassurance, surtout quand je vois une image magnifique comme celle que vous avez utilisée pour la couverture, qui en même temps, c'est assez conturbant pour ceux qui regardent la situation de gender studies aujourd'hui. On a encore l'appartement d'un célibataire avec une jolie fille qui est présentée comme une figure. Hein? C'est un peu difficile de proposer, aux États-Unis, etc. Par contre, j'adore Minoletti, et Minoletti, c'est un protagoniste du même lieu duquel je vais parler bientôt. Alors, pourquoi je montre ça? Pas même parce que ce sont des recherches que j'ai faites, mais pour montrer comme il y a aussi encore une certaine façon d'activer les évocations des recherches en architecture. Là, ce sont deux dessins de Beniamino Servino, magnifiques. Le titre, c'est Château de la Loire. Il y a totalement. C'est l'idée de faire un projet à travers une réflexion sur quelque chose. Un travail magnifique de Stefano De Martino et Karine Lehmann. Qui est cela en premier plan? Stefano De Martino, c'est cela qui avait fait le projet pour Rencolas du parc de la Villette. C'est un type extraordinaire qui est passé au-dessus de la table de l'histoire, mais qui, avec sa femme, il travaille depuis très longtemps à un projet de réflexion autour des maisons pas finies en Italie, qui sont interprétées, vous voyez, à travers, là il y a des maquettes, il y avait des dessins, il y avait une vidéo, etc. Je le montre encore pour faire voir qu'il y a une possibilité de faire une recherche vivante à partir des documents fixés. Je ne vais pas utiliser mort, mais qui notre devoir, c'est là d'activer quelque chose. Et n'est pas seulement de reconstruire. Car ça nous permet exactement de rentrer dans un univers des questions actuelles. Troisième, ça n'a rien à faire, si vous voulez, mais je l'ai mis parce que c'est, je pense, le plus important architecte français des derniers 40 ans. Il n'était pas français du tout, il n'est pas mort, il s'appelle Sergio Ferro, mais c'est une architecte brésilienne qui n'est pas vraiment un architecte, mais peut-être quelqu'un qui a construit en façon des coopératives pour construire et qui a signé juste à la retraite à Grenoble où un Français vient des mondes. Je vous montre trois images d'expo aussi parce que c'est un des
comment dire, des conditions de faire les choses aujourd'hui. Et des, comment dire, encore une fois, c'est d'ouvrir les documents en présence même physique. Hein, à travers. Alors là, je commence un peu mon histoire. J'ai un peu trop de prémices, donc j'y vais. Je commence avec une image très connue pour les Italiennes, fameuse pour être dramatique, et pour beaucoup de monde très contradictoire. En effet, c'est le corps de Mussolini avec sa dernière copine et d'autres gérarchies fascistes attachés sur une station d'essence dans la place de Piazzale Loreto, hein, à Milan. Et c'est le symbole de la fin de la guerre, très dramatique, de la fin de la guerre, de la fin de la guerre civile en Italie. C'est exactement dans ce lieu où Teresita et Lucio Fontana décident d'aller habiter. Et ils vont habiter dans cette place qui est vraiment, comment vous l'avez appelé là, uno svincolo. Hein? Ça marche très bien comme mot. Et en même temps, c'est le lieu des projets les plus fameux, hein, et brillants peut-être de Minoletti, le Tour de la Lumière. C'était en sorte de, comment dire, Las Vegas avant les temps. C'était un tour où toute la façade était communiquée. Hein, c'était fait avec utilisant les lumières, des néons et d'autres aussi, un horloge, les publicités, pour créer une façade urbaine qui parle. Donc, moi, je considère ce lieu comme un lieu jamais fini à Milan, maintenant en train de gros projets qui se passent, mais c'était toujours un lieu d'expérimentation. Un peu, c'est pas vraiment hommage à la ville, parce que c'est bien dans le centre, mais en même temps, c'est vers la périphérie. Et donc, ces lieux, ça nous aide beaucoup à comprendre cette condition, comment dire, de ville, città che sale, comme on l'aurait dit. Boccioni, la ville qui monte, un fameux tableau manifeste du futurisme, où on a l'horizon, non, the edge of the city. Hein? Alors, Teresita et Lucio, ils vont se marier au 51, mais Lucio Fontana, qui était un Italien, qui avait déjà participé à la Première Guerre mondiale, il fuit d'Italie. Il rejoint la famille en Argentine pendant la guerre. Il revient en 48, essentiellement. Et il commence une nouvelle courant artistique qui s'appelle Spatialismo. Et avec cet ouvrage que je vous montre dans la reconstruction récente à l'Hangar Bicocca, c'est moins de 6 mois, non, une année, plus ou moins. Hein. Il y a aussi un magnifique livre qui vient de sortir. Et qui est l'idée de faire un art total. Ça, c'est bien. Ça s'appelle Ambiente con luce nera, etc. Hein. Mais l'idée, c'est de produire un art qui, enfin, devient l'environnement total des êtres humains contemporains. Et vous voyez, c'est quelque chose d'absolument informel. Je ne dirais pas abstrait dans le sens qu'abstrait, ça veut dire qui perd les formes, mais qui est très, comment dire, plastique et moment immersif. On est un radicalisme de l'art, c'est bien avant Kiesler. C'est bien avant même Pollock, etc. Parce que c'est beaucoup plus engageant, compressif. Et c'est quelque chose qui regarde profondément l'architecture. Fontana avait travaillé beaucoup en architecture et avec les architectes à l'époque. Disons, d'or du rationalisme, pas d'or du rationalisme, mais de tous les commandes publiques. Hein. Ils travaillent beaucoup ensemble, les grands architectes des compétitions publiques pendant le fascisme, des années 30. Et au limite, c'est là qu'ils réalisent un important plafond
dans la siège originaire du parti fasciste, où est fondé le parti fasciste à Milan. Il n'était pas du tout, comment dire, un fasciste, où il était, comme tous les Italiens à l'époque, hein, avec beaucoup de contradictions. En même temps, quelqu'un qui est plutôt un opportuniste, hein, comme beaucoup des artistes dans toutes les époques. Mais ça m'intéresse de vous faire voir comment il y a cette proposition finalement libérée pour construire cette nouvelle condition d'espace. Le spatialisme, c'est le premier courant qui exprime cette idée de contournement total de la possibilité de construire l'environnement humain. Il fait beaucoup de... Alors, quand il commence quand même, recommence l'activité à Milan, une des personnes avec qui il va travailler le plus, c'est Osvaldo Borsari. Osvaldo Borsari, c'est absolument un réactionnaire, c'est un grand constructeur d'intérieur, d'immobilier, constructeur, même constructeur, dans le sens qu'il va aussi gagner une partie de l'argent en construisant, mais c'est le grand architecte de la bourgeoisie riche. Et qui vient de faire des maisons, des villas pour les familles les plus âgées, les plus riches de la ville, et les industriels plutôt que les gros bourgeois. Les deux, par contre, ils se rencontrent bien et ils commencent à avoir beaucoup de collaborations. La chose, ça marche très bien pour les rencontres. Et cette rencontre se base surtout sur, comment dire, une sorte d'application de cet art informel et transfiguration de la décoration bourgeoise traditionnelle. Là, il y a une cheminée, objet tout à fait, comment dire, hors time, non, hors des temps. Mais là, on voit un peu une autre solution pour un départ d'un armoire, ou plutôt des décorations pour des handles, des manilles, des objets. Ou encore, vous voyez une trousse, un mobilier pour mettre surtout des bouteilles pour boire. Les fermes duquel, on dirait, totalement art déco, sinon même avant, avec ces décorations, vous voyez, entre les figuratives et les déformés. Les deux continuent à travailler beaucoup, et là, je vous montre immédiatement une image d'une collaboration directe sur la maison d'un des plus fameux musicien de l'époque. C'était un directeur d'orchestre, mais qui pour l'orchestre de la radio, l'orchestre après de la télé, Gorny Kramer. Et donc, on a affaire un peu comme un personnage presque hollywoodien, non, pour lequel on va préparer les nouveaux intérieurs. Ces nouveaux intérieurs sont des intérieurs absolument anciens. Fauteuil, ça c'est un croquis des Borsari. Hein? Et on voit, non, cet élément tout à fait 19e, je pourrais dire même 18e siècle, hein? Mais qui vient réaliser en associant à cette intervention de Fontana, qui va occuper de plus en plus les murs, les plafonds et d'autres éléments. Là, j'utilise tout ça. Car ce que je veux exactement montrer, c'est comme l'existence des trois niveaux. Un niveau du travail artistique, qui est un travail de rupture et qui veut être radical. Un travail de la dimension domestique, qu'on verra dans la maison, je vais très, très vite, hein, après, de la famille Fontana, qui montre la véritable domesticité, et cette court-circuit contradictoire, qui est celle de luxe. Dans lesquels on a grande partie de la représentation des questions. Cette remise en distance de la décoration,
quand cette décoration veut être quelque chose qui, au contraire, veut briser l'espace traditionnel. Alors, j'avance un peu plus vite. Juste d'autres collaborations hein, pour vous montrer des exemples, pas de ce qu'ils ont fait ensemble, mais pour faire voir. Là, vous voyez, c'est vraiment les. Oui, ce sont des environnements de passage, mais en même temps, ils sont bien plantés dans quelque chose presque 18e. Hein? Encore le même site. J'insiste à montrer comment on a très souvent dans notre discipline, dans notre pratique, cet décalage entre une ambition des changements et une condition qui est tout à fait tournée vers le derrière. Comment on imagine un espace différent, je pense aussi à les images que j'ai montrées de Sapper et Zanuso, mais qui est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard hein, et qui parfois n'arrive jamais hein, et qui plutôt reste un peu contradictoire par rapport à notre véritable changement de vie. Alors, peut-être j'ai mis un peu trop d'exemples. Voilà, encore un. Même one, 4, ça me suffit. Hein? Oui, j'arrive. Hein? Et alors là, c'est un intérieur où on voit bien les dessins de Borsani et les réalisations de Fontana. Hein? Vous voyez, cette chose absolument absurde qui soutient. En 1951, au moment qu'ils vont acheter ça, leur petite maison, hein, Fontana a le grand triomphe de la présentation de cette fameuse nuage en néon. Hein, première, 10 ans avant Irvine, donc Flavin, je ne parle pas même de là. Un avancement de ce qui ça veut dire. À la triennale de Milan, une entrée préparée avec un énorme architecte italien duquel on s'oublie tout le temps, qui est Luciano Baldessari, qui prépare avec tout cet espace courbe cette présentation de cette grande figure tridimensionnelle que vous voyez là en couleur. Hein? Pour l'entrée de la triennale à Milan. Ça, c'est la reconstruction encore à Bicocca. Je vous montre quelques croquis pour faire voir où est lieu ce jeu de mise ensemble de l'espace supérieur et de l'intérieur. Là, on pourrait parler très longtemps de ce qui est le spatialisme. Cette virtuosité de prendre vraiment l'espace et le faire participer, qu'on a une dimension radicale et qu'on attache avec une sorte d'altération du baroque dans l'intérieur. Bon, voilà, je garde deux dernières minutes pour montrer la maison. Alors, vous voyez, ça c'est un bâtiment, ça n'est 40, hein, construit vraiment à l'époque de la guerre. Vont habiter, un peu triste, un peu. Non, c'est rationnel, mais on montre tous les. Un côté aussi de l'échec du rationalisme, non? C'est enfant mis dans la ville devient quelque chose de gris et pollué par le. C'est une image de cette semaine. Hein? Et donc, cet long regard, ça plombe dans ça. Ça, c'est une reconstruction fake. Hein, qu'on a fait pour. C'est une des illustrations que j'ai mis dans mon dernier livre, mais c'est un collage des différentes interventions Borsani, Fontana dans différents intérieurs. Et ça, c'est les projets. Alors, je reprends toutes les images de cette magnifique monographie qui est sortie en gros épais volume à l'occasion de l'exposition sur Borsani à la Triennale de Milan, où là, il y a ce qui est intéressant, c'est Fontana qui dessine tous les détails de la maison, de l'intérieur. En effet, c'est une seule pièce hein, qui regarde ces pièces d'entrée des salons. Et donc, on voit vraiment comme chez lui, il voudrait faire ce qui
et les façons de vivre tous les jours. Là, il y a le chauffage plutôt que les portes. Il devient quelque chose de très... La façon de dessiner les plantes comme quelque chose qui est plus objectif, en façon de pas mettre les chaises sur le sol, mais les appuyer sur des... les ranger sur quelque chose. Et un grand placard avec cet élément un peu particulier qui est un mur qu'on va voir. Un cheminée. C'est bizarre, encore une fois. Ça, c'est les plans de la maison. Et là, je vais vous montrer un peu des dessins, des redessins des plans existants pour montrer un peu un itinéraire des réflexions, des recherches. Hein. Ce n'est pas des beaux dessins comme celui qu'on vient de voir, qui m'a précédé, mais c'est au contraire pour faire voir comment on peut, à partir de ça, commencer à comprendre et à dessiner un espace. Voilà. Et oh, ça va un peu doucement. Là, ça sent les élévations avec les plans au centre. Hein. J'ai tout simplement redessiné brièvement les éléments. Là, j'ai enlevé la plan. Et j'arrive un peu à cet élément qui était la seule qui, à la fin, voulait être réalisée. C'est cette sorte de mur courbe en bois et duquel on a les détails et qu'on retrouve dans cette sorte d'alcôve hein, dans notre projet précédent de Fontane et Borsani. Pourquoi j'arrive à tout ça? Pour dire que il y a comme une question d'ouverture de certains choix hein, et comme cette chose cette proposition des espaces différents même dans l'intimité de la quotidiennité de quelqu'un qui est très radical, il arrive à être contradit pour la façon de le pouvoir pratiquer. Le projet progressivement se transforme dans ça et à la fin ne va que rester seulement que les placards, non, comment dire, l'armadio, les placards, non, les placards. Et qui serait réalisé en suivant un modèle tout à fait, là on va le voir tout de suite, qui est une évolution de cette librairie de Borsani, voilà, et qui est, ça c'est encore le prototype, ça c'est la réalisation finale, ça s'appelle E22, c'est fait pour Techno, c'est une fameuse marque, et vous voyez qu'il devient quelque chose de beaucoup plus, comment dire, acceptable, voilà, pour la bourgeoisie. Ou, au contraire, toutes ces choses seront capables de s'affirmer, serait que dans des milieux artistiques, là, on a une photo récente de l'année dernière, non, deux ans, de l'entrée de la Biennale, de la Triennale de Milan, mais peut-être le seul lieu où tout ça peut trouver une place aujourd'hui, c'est au restaurant de la Fondazione Prada, en torre, vous voyez Bertelli et Miuccia, ils ont acheté pour leur collection deux des pièces tout à fait créées de la collaboration, la fameuse méduse de Fontana qui était présentée à la Biennale de 48, à la Triennale de 48, et cette fameuse cheminée, deux éléments faits exactement pour certains des apparts réalisés avec Borsani. Pour ceux qui viennent au contraire de notre maison de Fontana, on voit par contre que dans l'intérieur, ça c'est la condition aujourd'hui, mais il y a un certain, il n'y a rien à faire. Mais il y a tout un univers domestique banal, en plus tout a été refait en postmoderne aux années 80. Mais les escaliers, certains détails seulement restent, non? Comme les plats, les sols, etc. Là, je les laisse comme une image un peu d'inquiétude, hein, de quelque chose qui est. Qui peut-être je n'ai pas bien expliqué, j'ai fait un peu trop de prémices, mais pour montrer qu'il y a tout un travail encore à faire sur ce qui est cet détachement entre radicalité, luxe et quotidiennité, hein, dans l'intérieur. Sinon, on l'oublie et on pense qu'elle est photo de... Merci.
C'est un peu long. J'avais calculé 30 minutes, j'ai vu 34. Basta che parli forte, adesso si sente. Sì, ci sono anche le altre. C'è anche la Galleria d'Arte, quindi. Tu ritieni che questa, diciamo, tendenza sia loro ed è una coincidenza, diciamo, il riferimento a Kiesler, o poi ci sono stati degli scambi di idee, diciamo, quanto già Kiesler è arrivato anche in Italia? No, pardon. Je peux faire un petit... Allora, elle il m'a fait un super intéressant connexion avec Kiesler. J'avais préparé 150 diapos. Déjà, ça, c'était plus que 60, alors je l'ai coupé. Et en effet, j'avais préparé certaines images des travaux de Kiesler juste pour les comparer. Il a fait référence à la fameuse galerie de Peggy Guggenheim à New York, etc. Alors, il y en a d'autres. Bien évidemment, il y a aussi l'Endless House, etc. J'ai ajouté, par contre... Tout à fait. Oui, alors, mais Fontana est quelqu'un de très... J'adore Fontana. Je ne voudrais pas donner une image, comment dire, de quelqu'un de négatif. En même temps, il est bien italien. Il y a une lettre magnifique qu'en 1961 va à New York et dit, écrit à sa femme, juste à Teresita, ah, ici, ils sont vraiment des cons, ils sont en train de m'acheter tout. Tous mes travaux, il me paye plein d'argent. Hein? Et c'est comme. Mais en même temps, il faut regarder une autre dimension, qui est celle de l'ironie. C'est-à-dire, il y a une certaine légèreté et prise de position sérieuse. On croit les choses, mais on est très ironique par rapport à tout ça. Moi, je vois une énorme distance entre Kiesler et Fontana. Je ne crois pas que les deux. C'est plutôt Kiesler qui a regardé Fontana, si jamais ça peut passer, mais je crois que ce sont deux itinéraires complètement parallèles. Et parce que les lieux de référence sont différents, les milieux de développement de cette idée, en effet, c'était beaucoup plus fermé. Hein? Et si on voit les dates, le Gilded Théâtre, c'est là, c'est 29, hein? Mais vous voyez, c'est pas, ça n'a rien à faire, surtout les références sont plutôt optiques. Kiesler était quelqu'un qui a grandi avec Adolf Loos, il est plutôt d'un milieu viennois. Hein? Au contraire, Fontana représente vraiment une élite italienne très autoréférentielle. Il y a récemment une magnifique recherche qui montre plutôt des influences. Tout son travail vient de sortir en ce livre sur son... Son travail en Argentine, surtout aux années 30-40, hein, pendant la guerre, et montre qu'il y a cette capacité, comment dire, tout à fait locale, milanais, d'être indépendant. Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté au début, c'est une évolution du futurisme. Comme le futurisme, là, magnifiquement, je suis heureux pour que vous avez présenté les balles là, non, c'est comme on dit, on arrivera, non, ces balles, quand on voit réaliser les balles, c'est vraiment
Il n'y a rien de futur. Mais là, il y a une insistance tout à fait milanais. Il y a un autre personnage duquel j'ai juste fait une référence qui était tout à fait Baldessari. Et là aussi, j'ai coupé les images, sinon c'est trop long, mais si on connaît le pavillon pour la Breda, pour exemple, cette énorme voile pliée, ça semble une chose de Frank Gehry, mais fait aux années 50 en Italie. Ça, c'est plus intéressant, mais encore une fois, Molino, je crois qu'il là, ça ouvre tout un autre discours. Parce que Molino est beaucoup plus lié à l'image, hein? C'est-à-dire à vraiment à l'objet, pas la figure, mais je dirais à l'image de quelque chose qui tient d'un dépôt. Je ne vais pas faire la référence à la photographie parce que c'est une autre chose, c'est une autre activité de Molino, mais qui est il y a eu cette magnifique expo sur la photographie de Follino récemment, hein, à Turin, et les surréalistes de Molino viennent à un autre univers encore. Je dirais que ce sont toutes des choses parallèles. C'est des gens qui se connaissent mais ils ne parlent pas beaucoup, hein. Les mots étaient petits, mais en même temps, on passait tout le temps à travers les mêmes éléments. On pourrait aussi parler de Morandi, hein, plutôt que d'autres. Mais là, c'est ça un peu qui je crois, qui est important, et faire voir comme ils étaient tous en train de faire des recherches parallèles, mais pas les mêmes. Hein. C'est vrai, pour exemple, que le plus important essai sur Fontana, bien qu'il court, écrit pour Edoardo Persico, qui est le maître un peu le maître idéal de Raghianti et de Zevi. Mais chacun va un peu pour soi. Et par contre, personne ne va vraiment travailler sur sa maison comme fait Fontana. Les autres, c'est plutôt quand même dans cette position. Je vous dis, Fontana aussi, en même temps, c'est une personne très, très, très normale. Hein? Famille normale avec un. Molino, c'est notre personnage. Voilà, j'ai parlé un peu trop. Hein? Non, pas du tout. Juste pour... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être oui. Il y a plein de questions parce qu'en effet, ce qui nous a manqué, c'était le sujet dont tu n'as pas montré vraiment les plans de cette maison, comment l'espace avait été conçu, qui a conçu nous. Alors, je laisse la parole aux intervenants et tu as une minute pour répondre, mais vraiment, ok, sans digression. Oui. Je suis vraiment, vraiment content de cette question parce que je pense que je l'ai exprimé vraiment mal. Mais moi, je voulais exactement montrer ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis fier qu'il n'y a rien à faire avec. Mais comment montrer qu'il y a un univers qui était celui-là d'une certaine typologie d'artistes, hein, qui, bien évidemment, au moment qu'il devient affirmé, travaille pour tout le monde. En même temps, il doit faire, il doit vivre, donc il trouve bien un marché comme il y a aujourd'hui. C'est pour ça aussi que j'ai fini avec Fondazione Prada. Hein? On tombe toujours là. Mais les idéaux sont différents. On est très radical, on les veut faire chez nous, mais on n'y arrive pas. Et on tombe dans le luxe. Ce qu'on fait, on va continuer à montrer
même entre nous, parce qu'ils sont très beaux. Ce n'est pas une critique à mes amis, parce que j'adorais voir les projets de Vittoriano Vigano. Mais on tombe toujours dans ce discours. Et moi, j'ai un peu l'impression que dans notre discipline en train d'être fondée, il faudrait prendre un peu plus conscience de ça, qu'il y a une domesticité plus réelle et plus critique en même temps. C'est encore un peu la question de la femme dans l'appartement du célibataire. Je me suis rendu compte que pour compter tout ça, je devais compter un peu trop des références. Ça, je vous amener un peu trop loin. C'est pour ça que j'ai commencé avec une photo pas de tout beau ni rassurante. Oui, il a fait plusieurs manifestes. Il existe un manifesto. Le premier manifeste s'appelle Manifesto Blanco. C'est fait encore quand il était en Argentine. C'est 46, 48. Manifesto dello spazialismo, 50. C'est 48. Hein? Et surtout, il faisait beaucoup de manifestes. Il faisait même un manifeste de la télévision. Parce que l'idée, c'était. Travailler sur l'atomique, la télévision, l'émission. Disons qu'un personnage qui peut s'approcher à ça, c'est Yves Klein, en France. Alors, merci aussi pour cette question. C'est encore une fois ce que je comprends d'être pas arrivé à bien expliquer. Il y a comme les bourgeois dans l'anarchiste. Et c'est une tension duquel on n'arrive pas à se libérer. Et ça, c'est super intéressant. Alors, pour moi, c'est facile si on va voir les maisons bourgeois. C'est facile si on va voir la dérive du restaurant qui veut être montrer l'identité de Milan aujourd'hui, Prada, etc. Mais c'est très contradictoire si, dans la façon de se demander comme cet artiste qui veut être si radical va vivre. En même temps, il est quelqu'un de très conscient d'avoir cette double dimension. Mais il y a une tension. Fontana n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, il n'était pas fasciste, il était comme tous les gens de l'époque qui travaillaient, comme les Corbusier. Non? Il n'y a pas un grand regard contre, pas même une réflexion critique sur Fontana, fasciste ou pas. Mais il ne faut pas oublier tout cet élément au moment qu'on est en train de réfléchir sur comment on va faire la recherche en architecture d'intérieur. Parce que si on oublie toute cette question, on tombe en. Comment dire? Un astuccio, une trousse confortable dans laquelle on va redécouvrir une série infinie de magnifiques intérieurs qui nous rassurent et qui nous laissent totalement loin de ce qui, je pense, être les questions de recherche d'aujourd'hui. Oui, aussi un peu de l'engager, un peu, hein, de la remettre un peu. Je suis en train de travailler sur cette maison comme d'autres. Hein, et moi, je pense qu'il faut commencer à regarder qu'est-ce que c'était vraiment la domesticité pour eux. C'est pour ça que j'insiste, Fontana, très, très banal. Il avait une maison des familles. Lui aussi a essayé, en contraste avec. Borsani, de faire des choses. Pour eux, c'était la façon de casser peut-être un regard, comment dire, pour un artistique, de transformer un studio.
Non, parce qu'il avait son... Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait cette opération chez lui, pas dans son studio Rue Monforte. Hein? Et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est, vous avez vu, c'est le début de la recherche. C'est pas fini, je devais peut-être insister plus. C'est pour ça que m'intéresse d'aller voir cet espace, l'escalier. C'était comment dehors de la... c'est quoi qui vivait vraiment? Tu vas vivre à côté de Léon Toué. Bah, attacher les douches. Minoletti fait sa grande chose. Et en même temps, on vit comme ça. On fait des grands discours. Mais on joue à niveau personnel, dans quelle façon? On est très bourgeois, tu l'as dit. Hein? On fait des salons. Mais en même temps, on ne met pas les mêmes chaises qu'il fait pour Kramer, non? Des salottes buono pour recevoir quelqu'un. C'est tout un discours qui ne passe pas pour la revue, qui était totalement effacé. Vous avez insisté sur le fait de prendre les photos pour sembler quelque chose. Et là, si vous, moi, je note toujours dans cette photo qu'il y a, dans celle-là, il y a la revue L'Architettura, dans l'autre, il y avait Domus, et qui sont appuyés sur la table. Cette conscience de, comment dire, de subliminaire de publicité, ça vient de très longtemps, déjà 19e. Regardez beaucoup les images. Merci. Pardon, c'était... Wow. Ok. Alors, j'invite Veronica Ferrari à rejoindre la table des conférenciers. Donc, Veronica Ferrari est le doctorante au Polytechnico de Milan en Architecture Urban and Interior Design au département d'architecture d'IAP. Et depuis 2014, elle enseigne en tant qu'associée au niveau licence et dans les ateliers de projet en master dans la même école. Voilà, alors Veronica, je te laisse la parole. About Spatiality and Perception, the Milanese Interior of Luigi Caccia de Mignoni. Un très beau sujet. Merci. Good morning, everyone. This morning I want to talk about spatiality and perception in the architecture of Caccia de Mignoni. I want only to introduce this architect, and after we can see together some case studies, some well-known building that represent in the best way the interior of Caccia de Mignoni. This architect is, like many other architects, contemporary architects, are a sort of representation of the society, of the bourgeoisie society, but this architecture is not only readable in this way. So, I want to start to make two premises. These two premises are a sort of outcome of my research. My research is a work in progress research. And I think that to focus on two points before to see together the buildings is really important to understand
the method and the work of Cacciadominioni. Cacciadominioni is a part of the Borghese society, so this bourgeoisie represents a part of the society, a part of the city, and also have a strong rituality life. So we can recognize this rituality also inside the organization and the functional distribution of the Cacciadominioni building. At the same time, we have a sort of contradiction, because he makes a sort of relation between this society, this Borghese society, and the city in the opposite way. Usually is the facade that represents the society class to the city. In this case, Cacciadominioni work inside. So the interior are the real relation between the space, the people, and also the city. In the first part of his career, in his career, he worked with the design, so he realized so many objects, and also worked with many fragments of the cities. Here we have some image of the building, the complex in Corso Italia, in Milan, and this is a representative item, because one of the main points of the architecture of Cacciadominioni is the gallery, the distribution, a sort of corridor that takes the dimension of the gallery. And in my opinion, this comes from the care of the cities, the study of the cities. And he really study the city with material, with proportion, dimension, and he tried to re-elaborate, to reinterpret this character and put it inside his architecture. The first building is a building realized inside a curtain line in Milan, and we can see the first floor, the street level floor, and also in this case and in some other building, we can recognize a traditional organization inside the building. So on the main facade, we have the more representative room, and on the back, we have more functional room or services. And we can read also with the plan the idea of permeability, that we have, this is the main facade, and we can cross the building and go out to the other part. And this represents a sort of re-elaboration of the Milanese idea of the building put in line during the curtain. Going deeply in this case study, this is the type floor of this building, and we start to see a sort of gallery, a sort of sequence of small passages or small spaces that are really connect and make a sort of spine, a central line of the distribution. We have
in this case and also in other case that we can see after, in some case a double distribution, the main one and the one of the service, or maybe one more more private. So we can read a sort of hierarchy, not only in the organization of the room, but also in the organization of the distribution. One of the most important topic, the most important tools of office architecture is the light. In this image we can see a sort of corner that distributes from the central gallery to private room. And we don't have any opening, any window on the two small sides. So this central line need to be in light from the facade, the principal facade or the back. So we have many tricks in his architecture like this that try to multiplicate the light. In the upper part of this building, we have a level attico, and in this plan, we can recognize so the perception, the permeability, and also the fluidity of this project and of this realization. From the entrance of this point, we have at the same of the other level, the central spine that distributes all the room. And in this case, we have a secondary distribution on the facade on this part. So it's possible also to recreate a sort of circle to make more fluent the movement, and also to make a interaction between the different room. In this part, we have also the double eyes, so it's also more complex, the volume, the distribution, and the geometries. In these stairs, we have also a detail of the pavement. The pavement is a sort of continuous surface that connect and also represent a clear idea of have a complete surface, not really divided by some wall or some armchair. We can see also with these photos that the door devices is something put over this continuous surface, because one of the intent of Caccia in this building, in this apartment in particular, is to have a continuous surface in plan and also in eye. The study of this apartment is also represented in the Triennale, and this study is representative also of the society. It's called urban accommodation, and is a sort of manifesto of that time. Another building, maybe the more well known, is the building in Piazza Carbonari. This is a building that have a sort of stereometric image. Is a volume that have many windows that
represent outside, represent the facade, the interior organization. Here we have some stairs of this this building, and we can recognize so the more or less fixed point, like the stairs and the lift, so the distribution. And after, the organization inside is different at each stairs. In the first example, in the third floor, we can see like the organization and the entrance of the two apartments is so the direction is really suggested by the block of stairs. In some other case, like the fifth and the sixth floor, this is a duplex, so the last part of the building is treated like a duplex. We have a more conventional at the fifth floor, and on the sixth floor we can see that we can't recognize the gallery or the line that characterize usually the Cacciadominioni style, but we can see a completely different situation. The room, the private room, and this living area are organized in circle in order to collect all the room around the distribution. At this point, we can see how Cacciadominioni organize apartment to with the volunteer to reach some point in a specific condition. In this case, from the entrance, we can go through this part and come in a living area, and we have a really big window on that part on the in the end, in the front of pillar, that give light at this part of the gallery. The interaction with light, it also characterized with the interaction with the geometries. In this part, we can see on the west side a big room that is in some part divided, but not with a physical device or wall, but is a sign on the ceiling that give the dimension of the space, and also the presence or not of the light can recreate a different space inside a big one space. This is the sixth floor. We have a sort of different organization, so it's not present the real gallery, but we have a continuous we have the continuous possibility to go through all the room of the house. Another example could be the Pirelli house. This house is a sort of villa urbana built during 60s. This house is really important for me because is a sort of collection of the characteristic of Cacciadominioni. In this level, the ground level, we can recognize a central spine that give the distribution of some other room, some more private in this part, or some more related to the service. And
coming back to what I said before, we can recognize here the central spine, so the main distribution, and after, inside, we can recognize a secondary distribution. We can recognize the different dimension of these two passages, and also the different character of the space. In this central line is a sort of long perspective. In this part we have armchair and many stuff, so more private and more functional, in contrast to the representative spine in the center part. This building is also interesting for the organization. Here in plan is not so clear. After we can see the section and go deeply in this topic, because we have some main room, and after we can see here in section we have some small room. Here in this part, like there are some space like alcova, some collective space, and here we can see a part of gallery here. I'm sorry, I don't have the intermediate plan. It's not easy to understand, but in section we have this dimension, this is the gallery dimension, and after we have a sort of extension of the gallery, and some little place like this we can see in the downer photos are places that are talked like space to stay, and are involved also in the geometries and in the perception of the gallery. Another topic really important in this project is the interconnection between the space inside at different level and also outside. We can see here some I don't know how to define specific, but some point of view from upper part to downer part to have a sort of general view inside the space. This section, clarified this complete perception of the space. If you stay in the upper part on the gallery, you can see the downer part of the living area, but you can see also outside. And in some cases, the little place that I have called alcova have a visual relationship between something outside. This is a strong characteristic of the architecture of Caccia Dominioni. The last building is the building in Via Massena, more or less is in the same period. I like to underline the relationship between the interior and the context with this building, because we can sort of categorize the work of Caccia Dominioni in buildings that are insert in the historical context, in a high density texture, and some other that are in a new part of the city, in a part of new expansion. And in this case, we have a building that is free on the fourth side, and the architect is free also to organize the point of view and the perception from inside to outside, and to conduct people inside the space. Here I've put some scheme to
only to show how Cacciadominioni treat in different way each level, and he search different relation with the between the space inside and outside. In the first plan, we can see the central spine that give the distribution and guide people in the main space of the house, so the living area. In some cases, we have also the light that guide the perception, also the path inside the space. In some other case, where we have a wall in front of us, so we are obliged to see on other direction because the light is more or less the tool that guide inside this space. To close, it's important to understand the interior of Cacciadominioni, the context for sure, but also the threshold, so the perimeter of the interior. And in my opinion, there are no interior without this treatment of the threshold and also the connection between inside and outside. To come back to the first part, so the from the city with the urban gallery coming into the interior, we have a sort of circle that from inside made possible to look outside and to come back to the cities. Thank you. Pour cette présentation. Donc, en effet, on le savait, mais ça émerge vraiment, même dans les intérieurs, le fait que Cacciadominioni est vraiment imprégné. Ah oui, il est vraiment imprégné de culture historique, parce qu'on retrouve là la fenêtre habitée, on retrouve des dispositifs qui ont été utilisés à la Renaissance. Le fait qu'il ouvre les espaces les plus importants de la maison, le salon est en effet un espace de circulation, mais ça, c'est Palladio, il faisait comme ça. Donc, c'est vrai, un architecte qui d'ailleurs, à la différence de Vittoriano Vigano, qui était architecte et artiste en même temps, il travaillait avec des artistes, donc il avait des collaborations très stables, solides, avec Sommaini. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Anne. The light to give also a different perception of the space. Comment ça fait penser au Castel Béranger
l'idée était d'avoir que des appartements différents dans un même immeuble. C'est une commande très particulière, ça. Comment ça s'est passé? Sì, giustamente, sì, diciamo, è incuriosito dal tipo di incarico, quindi da coloro che hanno, chi sono i clienti, i committenti clienti, perché in effetti si vedono, cioè abbiamo visto delle piante molto diverse e alcune che insomma magari si ripetono, altre sono esatto, completamente, quindi è un solo proprietario, sono diversi come funziona. Poi gli appartamenti, i proprietari degli appartamenti che è connu e a Bawish, sì. Se ci sono state quindi delle interazioni fra sì, le sì, in inglese. Okay. Yeah, in this case, in the Massina building, we have a sort of group of professionists like engineer, doctor, that found a sort of cooperative, and is interesting because in the archive of Caccia Dominioni we have some documents, some correspondence with this different family. More or less we have two family for each floor, and Caccia Dominioni have a strong relationship between the architect and these people. He have a sort of exchange. He try to imagine a perfect solution for each person. Yeah, they have a sort of double check together. So the architect make a proposal, and the family ask some change, or maybe one room dedicated to, I don't know, to children, or maybe more space dedicated to the living. So it's a sort of different declination of the original or more the general organization of the stairs. No, this is immobiliar action. There was in 60s a owner that decided to build this this residential building. He maintain for his family the last two floors. So the last two floors are a sort of a combination between the architect idea and the family needs. The other floor are a sort of experimentation made by the architect without a specific target. C'est dans la culture italienne, la palazzina. La palazzina, oui, c'est ça. Oui, on le retrouve déjà dans les années 20 à Rome, par exemple. Tous les étages sont différents parce que chacun a ses exigences. Donc, c'était courant presque, mais on parle de la bourgeoisie, évidemment.
Oui. Et donc là, à Milan, après la guerre, c'était une typologie qui a été développée, sur laquelle se sont confrontés, les architectes ont beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, à Milan, on parle des villas superposées. Les villas superposées, oui, ça naît en effet dans l'après-guerre. Donc, c'est comment vivre dans la ville, mais comme si on était à la campagne. Et donc, les beaux attiques. Oui. Bon, alors, merci. Merci beaucoup, Véronica. Alors, Benoît, c'est à toi maintenant. Donc, tu me rejoins. Alors, Benoît Carré, architecte, diplômé de l'École polytechnique de Zurich. Il a été enseignante ici à Versailles, il a enseigné le projet. Et il est membre du LEAV et surtout un cher et précieux collègue de recherche. Et alors, je cite le programme de recherche « Découvrir la figure et l'œuvre d'André Bloch » et « Entre art et architecture, les intérieurs » publié dans la revue « Aujourd'hui, art et architecture » d'André Bloch, qui André Bloch avait fondé et dirigé dans les années 55 et 67. Alors, ton intervention porte. Donc, le titre de ton intervention est L'ambassade de France à Sarrebruck, une machine à impressionner et séduire. Merci, Benoît. Alors, je te laisse la parole. Ah, si. Oui, parce que ça pèse. Hein. Ça fait 125. Oui, c'est bon, Benoît. Non, c'est bon. Ça va. Alors, je vais en fait peut-être un peu simplifier mon exposé parce que je m'attendais à être un peu comprimé, mais je n'ai pas vraiment préparé pour autant. Donc, 20 minutes et après on discute. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais passer un petit peu vite sur certaines diapositives. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que. Ce que je vais vous présenter, c'est les résultats d'un travail pédagogique mené dans cette école avec des étudiants de l'école supérieure, comme nous, elle est supérieure, je ne sais pas de quoi, mais des sciences et des techniques de la SAR et avec des étudiants ingénieurs de l'école centrale. Donc, les méthodes que je vous présente ne sont pas du tout des méthodes aussi savantes et subtiles que celles que vous venez de voir. Il s'agit plutôt de voir comment on peut proposer à des étudiants d'aborder avec un minimum de connaissances et d'intelligence l'intervention sur un édifice important pour le restructurer, le réaménager. Voilà, donc c'est ça aussi qui est cette perspective d'un projet, puisque ça débouchait sur un projet, une proposition de réaffectation avec des interventions diverses et amplifications. C'est cette perspective qui a dicté l'analyse et beaucoup moins une perspective tout à fait scientifique telle que celle que l'on a vue. Alors, il y a des flèches, c'est ça, voilà. Non, c'est pas ça. Non, comment
ça se passe là, voilà. Moi je sais pas, mais ces trucs, j'ai pas de souris. Comment sur quoi je... C'est ça. Qu'est-ce... Ah voilà. Voilà, donc là, c'est nos étudiants en train de travailler dans un séminaire dans le bâtiment. Et à gauche, Gabriel Guévrekian, qui était directeur de l'école des métiers d'art sarrois. Donc c'est, on est tout de suite après la guerre, hein, les Français, donc, bon, je ne veux pas que je fasse de digression, donc avançons, sans ça on ne va pas s'en sortir. Voilà, mais donc les Français ont créé cette école des métiers d'art à Sarrebruck, et Gabriel Guévrekian en était le directeur. Donc là, vous avez Gilbert Grandval, qui est le gouverneur général à Sarrebruck, et Georges-Henri Pingusson sur sa droite, qui va avoir en charge de construire l'ambassade et du reste de superviser tout l'aménagement, enfin la politique d'aménagement de la Sarre et de la Lorraine. Donc, je vais me concentrer sur les intérieurs, mais je ne peux pas mentionner le fait que ce projet est une pièce essentielle dans le plan d'urbanisme que propose Pingusson, qui est un plan tout à fait radical inspiré par la charte d'Athènes. Et au départ, donc, il s'agit de construire le bâtiment, vous voyez en bas à gauche, qui est la chambre de commerce et des métiers. Qui va devenir au fil du temps l'ambassade, et qui donne sur un vaste forum. Voilà. Alors, parallèlement à l'établissement de ce plan d'urbanisme, Pingusson va s'occuper de commandes beaucoup plus modestes, à savoir ici l'aménagement du plan du bureau de Gilbert Grandval, donc dans l'ancienne forteresse de Halle qui surplombe la ville de Sarrebruck. Et dans cette commande très modeste, déjà, il prête une grande attention au décor et en fait à la mise en scène du pouvoir. Je vais peut-être vous faire une petite citation parce qu'elle est importante. Voilà, c'est autour de la personne même de l'ambassadeur et de son poste de travail que s'ordonnait la composition des divers éléments, depuis les locaux de caractère public et officiel jusqu'à ceux de caractère privé. Donc la mise en scène de la personne de l'ambassadeur va être une préoccupation constante. En fait, je crois que les intérieurs qu'on a vus, c'est beaucoup des autoportraits, enfin, en tout cas, pour les deux premières présentations. Ici, on est véritablement dans un portrait, et je dirais dans un portrait du prince, en fait, du pouvoir, qui est une préoccupation constante de Pingusson. Donc, avec cet aménagement, vous voyez le plan d'urbanisme qui revient comme le décor principal des murs, et puis un décor qui, avec des graphiques optimistes censés montrer les progrès rapides de la reconstruction. Et cette position centrée du bureau du gouverneur, qui est une préoccupation toujours spatiale de Pingusson, avec notamment, bon là ici je vous ai mis cette église de Bousse qui construit à la même époque, assez surprenante aussi dans cette disposition. Donc je crois que je vais passer un peu vite parce que là en fait il s'agissait dans cette première partie d'amener les étudiants à retracer la genèse du projet, de manière à avoir le bâtiment non pas comme un ovni qui arrive comme ça de rien du tout, mais véritablement comme un processus, et leur montrer comment ce bâtiment est le résultat d'une longue gestation. Donc je ne vais pas trop m'étendre, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Donc là, c'était le premier projet donc, où on avait un bâtiment très en enfilade, qui va évoluer vers un bâtiment très inspiré des hôtels particuliers. C'est-à-dire que vous avez ce grand bâtiment qui est en fait l'héritier que vous voyez ici, qui est en fait l'héritier des,
des grands bâtiments, des grands buildings du plan d'urbanisme auxquels donc Pingusson va adjoindre un bâtiment plus bas pour accueillir la résidence et surtout les espaces de réception. Donc on va s'orienter vers une disposition qui évoque beaucoup plus les hôtels particuliers, une disposition dont les tout à fait habituelle dans les ambassades, puisque c'est un peu le modèle hérité. Voilà. Donc ce projet va être mené entre 52 et 55, va être à peine inauguré, devient obsolète, puisque le référendum organisé en Sarre, la population finalement va décider le rattachement de la Sarre à l'Allemagne, et donc le bâtiment finalement n'aura jamais servi, il restera véritablement un portrait du prince qui est un ambassadeur n'y ayant finalement jamais habité. Donc notamment ce bâtiment avec des décors quand même assez luxueux et ressenti par les habitants en fait comme un luxe un peu déplacé dans cette période d'austérité, et ça sera utilisé beaucoup par les politiciens opposés à ce projet, plus généralement au rattachement à l'indépendance de l'État sarrois. Ça sera exploité pour donc arriver à ce rejet du référendum. Donc le bâtiment, pour finir, se compose, donc la partie réception dont on va parler surtout, se compose d'une cour d'honneur, avec un passage ici qui donne sur une cour de service. Donc là, on est sur un schéma tout à fait habituel dans les hôtels particuliers. Et ici, le parc, le jardin, avec la résidence qui se développe ici. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la séquence d'entrée qui est très importante, c'est-à-dire qu'on rentre donc frontalement dans ce corps principal pour venir buter. Alors, il y a deux niveaux que vous voyez ici en coupe. Donc, on vient buter ici sur un espace qui est en fait le vestiaire. Donc, on est à une superposition des deux niveaux pour ensuite reprendre cet escalier d'honneur, cet escalier majestueux, qui va arriver ici sur une galerie et qui se poursuit ensuite vers le bureau de l'ambassadeur. Donc l'escalier se trouvant ici, on est retourné sur la galerie et ici on monte dans le bureau de l'ambassadeur. Ceci pour vous montrer les différents espaces qu'on va voir par la suite. Et ici, donc, vous avez cette galerie qui va ouvrir sur l'espace de la grande salle qui est en fait une sorte d'espace. En fait, dans ce bâtiment, les Français vont essayer de faire une véritable démonstration, d'en faire une espèce de vitrine à la fois d'un art de vivre, d'un artisanat, tout va être marqué en fait par cette volonté de démonstration dans les différents locaux. Alors voilà par exemple ces photos du bâtiment à peine terminé, avec les deux vues principales, donc qui sont la vue sur la cour d'entrée, vous remarquerez le cuisinier là, qui est un élément important, la gastronomie là est un élément important de la diplomatie française, et puis la DS 19 qui vient à peine de sortir des chaînes. Et puis ici, la vue donc sur le parc. Voilà, donc ça, c'est les résultats. Ça, c'est la couverture du numéro de la revue Urbaniste de 47, donc qui présente une espèce d'allégorie, puisque tout ce projet est marqué par une volonté une ambition de dénazification en fait du pays. Et puis le rejet, en fait, au moment du référendum. Bon, là, ici, c'est ce qui a été demandé aux étudiants, c'était d'imaginer un usage qui
prennent du sens par rapport à l'histoire du bâtiment. Donc c'est cette histoire de la jeunesse du bâtiment en fait, qui devait nourrir leur réflexion sur les possibilités de réutilisation du bâtiment. Alors une deuxième partie consistait en une analyse, cette fois-ci le plus objectif possible, des différentes parties du bâtiment. Alors on a créé des groupes d'études, parce qu'on avait une quarantaine d'étudiants au total, donc c'était une grosse troupe à manier. Donc avec chacun des thèmes d'études, donc avec quatre grands thèmes qui étaient les extérieurs, les espaces intérieurs, des études thématiques et puis l'ameublement et le programme artistique, où je pense qu'il faut qu'on arrive assez vite. Donc je vais passer très vite. Bon, je ne vais pas du tout, les extérieurs, je ne les ai pas mis. Sur les espaces intérieurs, donc le groupe, il y avait un groupe qui étudiait l'organisation et la forme des espaces de réception. Donc cette séquence que je vous ai rapidement décrite, un groupe chargé d'étudier le bureau de l'ambassadeur. Donc, qui est un espace tout à fait raffiné, d'une toute autre conception, on va le voir tout à l'heure. Un groupe qui s'occupait de la résidence, qui est donc avec au rez-de-chaussée des espaces de réception que vous voyez ici, donc, mais de réception, disons, pour des invités choisis. Et puis, à l'étage, les chambres de l'ambassadeur, de l'ambassadrice, très soigneusement meublé. Donc ça, c'était un travail de Jacques Dumont, on va voir tout à l'heure. Et donc la chambre de l'ambassadeur de l'ambassadrice, qui sont prolongées par un boudoir pour madame et par un cabinet de travail pour l'ambassadeur que vous voyez ici. Donc une architecture qui évoque tout à fait l'architecture des paquebots, notamment ces angles arrondis. Donc c'était tous ces décorateurs ont travaillé sur les paquebots et je pense que c'est une culture qui est restée. Et les murs sont capitonnés de cuir pour effectivement avoir une espèce d'ambiance feutrée et de secret en fait pour cet espace de travail. Bon, un autre groupe s'est occupé des espaces de service et bureaux administratifs. C'est notamment la grande cuisine qui est une véritable usine en fait. Là aussi, on a vu le cuisinier, mais il y avait du matériel. Au service des réceptions fastueuses qui étaient censées avoir lieu et qui, je crois, n'ont jamais eu lieu. Alors, après, on a quatre groupes se sont occupés de questions thématiques. D'une part, les escaliers. Il y a 8 escaliers différents. Il n'y en a pas 2 pareils. Et chacun, tant par ses caractéristiques géométriques que par ses décors, sa forme, enfin, sont développés. Chacun développe une thématique spécifique en fonction des lieux qu'il dessert. Donc, le grand escalier d'honneur, les grands embarchements qui donnent sur le jardin, de 20 ou 30, 25 mètres de long, je crois, l'escalier de la résidence que vous voyez là, et l'escalier d'accès du public, etc. Donc les étudiants ont fait des relevés aussi de tous ces éléments. Les luminaires, donc Pingusson est au départ diplômé de l'école Sudria, en fait, qui était une école de mécanique et d'électricité, donc il a une grande culture de l'électricité. Il travaille d'ailleurs pour des centrales électriques et il invente dans ce bâtiment beaucoup de luminaires qui sont un peu de 3 types, c'est-à-dire il y a des luminaires qui sont des luminaires intégrés à l'architecture, des gorges lumineuses ou carrément tout un plafond lumineux comme dans la grande salle. Des luminaires qui sont des luminaires dessinés spécialement pour le bâtiment, comme celui-ci, ou ces très jolis luminaires ici. Et puis des luminaires qui combinent l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel. Tous les espaces en fait, qui ne sont pas en façade sont tous éclairés naturellement, toutes les circulations en tout cas. Et puis un troisième groupe s'est occupé des portes, comme pour les escaliers, comme pour les luminaires. Toutes les portes sont dessinées
différemment en fonction du rôle spécifique qu'elle joue dans le bâtiment. Donc là, on a les portes sur le hall d'entrée. Alors, les portes d'entrée proprement dites ici ne sont pas d'origine, mais au départ, donc, c'était véritablement des portes sans verre avec un effet de cage complètement translucide avec juste ces petits cabochons qui venaient... marquer quand même le vitrage, et puis toutes les poignées sont aussi en laiton ou en maillechort, je crois, sont tous aussi dessinés spécifiquement pour chaque porte. Un quatrième groupe s'est occupé des matériaux de revêtement qui sont extrêmement nombreux et de la polychromie. Donc la polychromie, elle est surtout visible par on ne les voit pas là, mais des tests de colorimétrie qui ont été faits, donc avec des spécialistes, donc où on voit les couleurs. Et la seule photo, alors il y a cette photo en couleur qui est connue dans qui est dans les archives, qui est tellement surprenante avec la pourpre qui envahit le plafond qu'on se demande même parfois si ce n'est pas colorisé. Mais la seule photo en couleur de la salle que j'ai trouvée, en fait, elle est parue dans la revue Aujourd'hui Art et Architecture. Donc, alors c'est décrit de manière tout à fait savoureuse. Donc, c'est les rideaux, en fait, sont feuilles mortes et gris, les fauteuils en bleu, en velours bleu avec des coussins jaunes. Donc on voit véritablement le travail sur la couleur qui est très important dans ce bâtiment et dont effectivement là c'est la seule photo qu'on ait trouvée qui rende compte de ce travail sur la polychromie. Là vous notez aussi, enfin la grande salle est tout à fait merveilleuse avec ce grand plafond lumineux et puis ces appliques qui sont aussi très, très joliment dessinées, les rideaux. Bon, je ne vous ai pas mis de photo de l'état actuel, mais c'est assez désastreux. Et on voit comment le décor est aussi important dans un tel bâtiment. Et voilà, donc là, on en arrive en fait précisément au décor. Alors, ce qui est intéressant dans ce bâtiment... à propos de Lucio Fontana, là, effectivement, on parlait en fait de la confrontation l'intervention de l'artiste qui, contrairement peut-être à l'appartement de Vittorio Vigano, qui garde visible en fait l'architecture derrière et qui vient en fait, c'est très intéressant se plaquer dessus. Ici, on peut retrouver en fait quatre attitudes, enfin en tout cas, on les a classées comme ça, différentes par rapport à cette question du décor. Une attitude qui est celle des décorateurs ensembliers, en fait, qui sont habitués à intervenir dans les ambassades, c'est un de leurs sujets de commande privilégiés. Et en l'occurrence, c'est le décorateur Raphaël, en fait, qui s'appelle Raphaël, en fait, tout simplement, qui intervient dans le bureau du ministre pour créer un mobilier tout à fait raffiné avec là vous voyez le bureau, mais vous avez tout un mobilier qui va avec, notamment les fauteuils ici qui sont faits en laque de béca, enfin des matériaux extrêmement riches et tout à fait sophistiqués. Et il fait appel avec pour compléter le décor, puisque c'est le terme ensemblier le dit bien, en fait on réunit les compétences de plusieurs artisans ou artistes pour compléter ce décor. Et vous avez ici donc un bas-relief en fonte de Georges Lévy Mazot, et puis ici des appliques en fait qui se reprennent un modèle qui est déjà connu, il y avait des petits chapeaux sur les ampoules, mais avec une figure allégorique derrière, avec un rameau d'olivier, le coq et l'aigle qui se regardent. Enfin, c'est un programme tout à fait conventionnel pour ce type de commande.
Et puis, on a noté un autre type d'œuvres d'art. Ce sont, des œuvres qui occupent toute une paroi ou qui jouent véritablement un rôle précis dans l'organisation de l'espace. Donc, j'ai fait ce petit croquis rapide pour montrer comment, ici, ce sgraffito de deux artistes allemands qui s'appellent Gegenbühler et Lackenmacher, je crois. Ce sgraffito, en fait, est là pour une raison très précise. C'est-à-dire que, bon, je suis passé très vite tout à l'heure sur la genèse, mais dans le premier plan du bâtiment, il était question d'avoir une continuité du sol entre le parvis donnant sur la Sarre et le jardin derrière, avec un passage sous les bureaux de l'ambassadeur. Donc le projet ayant évolué vers une conception beaucoup plus classique d'une cour centrée axiale, cet espace a été finalement fermé, et c'est cet espace fermé qui est celui qu'on voit en rentrant, que vient occuper ce panneau, cette frise. Donc, ces trois œuvres que je vous montre là, en fait, viennent en quelque sorte coturer des plaies, je dirais presque, enfin, désignent en fait des endroits délicats dans l'architecture. Alors, par exemple, ici, quand on rentre dans le hall, on arrive frontalement sur un mur du fond, puisqu'on est à l'étage inférieur, où se trouve le vestiaire à gauche, les toilettes à droite, très très bien aménagées. Mais il y a un problème quand on arrive sur un fond comme ça d'occuper cet espace. Donc c'est voilà. Et quand donc c'est là que va prendre cette vue un peu allégorique, un peu d'architecture de Morel. Et puis ensuite, donc le visiteur va se retourner ici pour monter l'escalier d'honneur et arriver. Et il aura encore ici à se retourner et puis pour aller vers la galerie. Et puis ici, sur le fond de la galerie, de nouveau, il y a un mur aveugle qui pose problème, en fait, aux architectes, et qui va donner lieu, là aussi, à une commande. Donc, c'est une commande d'une grande tapisserie d'un artiste qui s'appelle Arnal, pour occuper à chaque fois donc tout un pan de mur dans un rapport à l'architecture qui est un rapport, je dirais pas thérapeutique, mais quand même un peu des problèmes de distribution. Finalement, c'est une manière de faire appel aux artistes pour résoudre des problèmes, enfin moi je le vois comme ça, de distribution. Alors une troisième tendance qui est beaucoup plus, disons beaucoup plus dans ce que voulait faire Pingusson, qui est l'intervention de Jacques Dumont, qui est donc un membre de l'UAM. Donc, au sortir de la guerre, Pingusson essaye de relancer l'UAM, il en rédige le nouveau manifeste, donc, et il fait appel à Jacques Dumont, qui était un membre important aussi de l'UAM, qui lui, disons par opposition peut-être aux décorateurs ensembliers, s'intéresse beaucoup plus aux meubles de série. Bon, encore un thème que l'on retrouve beaucoup dans la revue, d'ailleurs aujourd'hui, à l'architecture, la question du meuble de série. Et moi, la manière dont est meublé ce très vaste espace, donc c'est quand même une salle très grande, fait presque penser plutôt à une espèce de salon d'exposition de meubles, comme on pourrait avoir dans un magasin de meubles ou ou au salon des arts ménagers, qui est une espèce de vitrine donc de cet art du mobilier, donc avec des pièces de Jacques Dumont. Et puis enfin, ce travail de Boris Kleint, que moi je rattache beaucoup plus donc à cette synthèse des arts, en fait, où les œuvres d'art vont fusionner en quelque sorte avec l'espace, qui par ailleurs est un étage, c'est le dernier étage du bâtiment de bureau, du bâtiment administratif, où se trouve donc ce qu'ils appellent le casino, qui est en fait la cantine des ouvriers, et qui est donc conçu par cet artiste Boris Kleint,
qui était assez proche, là aussi, du groupe Espace, qui lui consacre aussi un article dans la revue Aujourd'hui Art et Architecture. Voilà. Je suis peut-être allé un peu vite, mais non, je suis dans les temps. Voilà.